Ici Inapea Crea, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les perles. Donc là ce sera avec le motif du loup, donc voilà comment ça se présente quand on ouvre le paquet. Je vais vous montrer juste à la suite un autre projet en perles que j'ai déjà réalisé qui est fini. Il manque juste de rajouter le cadre. Donc voilà comment votre projet va se présenter à la fin. Les motifs changent en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous achetez. Et voilà, c'est ludique, il faut un peu de temps, mais c'est ludique, simple et amusant à faire. Donc pour en revenir à notre motif à nous, donc moi c'est le loup dans la nuit. Donc comme vous le voyez, le colis se répartit en trois produits. Vous avez donc ce que je suis en train de montrer là, c'est pour prendre les perles et le petit support pour disposer les perles dessus. Juste avant, vous aviez les différents paquets de perles qui sont numérotés avec des chiffres différents, car suivant les créations vous n'avez pas les mêmes chiffres. Et puis ben, vous avez le support. Ça c'est une sorte de colle entre guillemets, c'est à dire que bon, sur la suite je vais vous montrer, mais ça permet de faciliter la trappe des perles, puisque c'est pour que ça tienne et qu'on puisse prendre nos perles et les reposer sur notre support, tout en ben, forcément ne faisant pas tomber les perles. Donc ben, nous allons commencer. Donc on déplie notre support. Faites attention, il y a un plastique dessus, ben, forcément, puisque les zones numérotées elles sont collantes. Voilà, comme je viens de vous montrer. Et à côté vous avez une aide code qui représente les numéros que vous avez sur votre support et les numéros qui sont sur vos sachets. Là ça va, mais sur certains projets les numéros varient. Du coup ben, c'est bien de se référer au tableau qui est à côté. Donc nous allons commencer. Moi j'ai décidé de lever entièrement le plastique, mais vous pouvez le soulever que à moitié. Donc là comme vous voyez à l'écran, j'ai décidé de commencer par le gris. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo en musique, puisque ça ne change pas vraiment. Vous prenez vos perles, vous regardez les numéros qu'il y a sur votre projet, sur votre support, et puis ben, vous mettez et vous continuez. Moi pour ce projet là, j'ai mis à peu près une heure et demie, donc c'est relativement rapide. Et voilà, j'ai procédé couleur par couleur. Voilà.
Donc voilà, le projet est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.